Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo présentation d'un calendrier de l'Avent sous forme de casse-noisette. Alors, il n'est pas parfait, mais moi, il me convient très très bien. Donc ce tuto ne vient pas de moi, je l'ai tout simplement reproduit donc sur une chaîne YouTube. Donc la chaîne que j'ai regardée pour reproduire ce tuto, c'est Scrap Go Gouette. Donc elle a fait différents calendriers de l'Avent qui sont vraiment magnifiques. Donc du coup j'ai voulu reproduire le casse-noisette. Donc ce casse-noisette sera donc dédié pour ma maman. Donc j'aurais plus qu'à y ranger donc, tous les petits chocolats. Donc voilà. Et pour réaliser donc ce petit casse-noisette, donc déjà dans un premier temps, j'ai regardé tout le tuto de Scrap Go Gouette. Franchement, elle a vraiment très très bien expliqué, que ça soit pour les dimensions, pour couper les papiers, comment les coller, etc. Donc voilà, il est vraiment très très grand, hein, puisque si je prends une règle, là il fait déjà 30 cm. Donc à peu près, on va dire à peu près 42,5, à peu près 42,5, donc voilà. Et niveau largeur, du coup, pour les bras, ça fait hop, à peu près 19,5. Voilà, donc il est vraiment très très grand. C'est pour ça que là, je ne peux pas vous le mettre debout, parce que sinon, sans ça, il sera trop grand à la caméra. Voilà, si je le mets debout, vous voyez que le bout. Et la seule chose que moi je n'ai pas fait, c'est le rebord de la casquette. J'ai complètement zappé cette chose-là à faire, mais bon, ce n'est pas grave. Il sera aussi bien comme ceci. Voilà, donc au niveau des papiers, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement utilisé donc du papier canson noir que j'ai tout simplement acheté dans un commerce, puisque j'en avais plus. Pour le papier rouge, c'est tout simplement dans des grands blocs qu'on trouve à Lidl. Il y a différents petits papiers, donc j'ai utilisé pour le papier vert et pour le papier rouge. Et pour le papier, donc là vous allez croire que c'est blanc, mais non, ce n'est pas blanc. C'est tout simplement Lila, oui, mais ici c'est du couleur un peu beige. Donc voilà, donc ça c'est pareil, ça vient du grand bloc. Et pour les deux papiers blancs, j'en avais plus de grandes feuilles, j'avais plus de DCP non plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris des chutes de papier de blanc que j'avais, et j'avais pile poil les dimensions qu'il fallait. Donc voilà, donc si vous voulez voir le tuto, bah, je vous envoie vers la chaîne que je vous ai dit juste avant. Pour tout ce qui est décoration de ce calendrier de l'Avent casse-noisette, j'ai utilisé tout simplement du papier doré. Donc ça, c'est ce qui provient de chez Action également. Ils vendaient il y a un certain bout de temps dans des toutes petites pochettes différentes feuilles comme ceci, vous voyez, avec l'aspect. Et en fait, c'est des feuilles autocollantes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement découper des petits morceaux pour faire mes petites décorations. Et tout ce qui est pour les chiffres, bah, j'ai tout simplement utilisé un dies chiffre qui provient de chez Artemio. Et je suis venue donc les positionner et je suis venue les couper avec donc la Big Shot. Et voilà ce que ça donne. Pour tout ce qui est décoration extérieure, vous voyez que ici j'ai décoré un petit peu. Donc avec du papier casse-noisette, c'est tout simplement sur les nouveaux blocs de chez Action en 30x30. Et du coup il y avait une feuille dans ce bloc comme ceci avec des casse-noisettes. Donc ça c'est la chute qui me reste. Donc franchement ça allait très très bien avec ce que j'allais faire. Donc voilà pour ceci. Donc là j'ai un 8 qui s'est baladé. Alors il a dû se décoller de quelque part, mais je ne saurais pas où. Bah, c'est pas grave, je vais le mettre ici, je verrai après. Juste ici, au niveau des chiffres, j'ai tout simplement utilisé du papier noir pour que ça puisse bien ressortir au niveau du centre. Et j'ai également utilisé
des strass dorées. Bon, c'est pareil, hein, ça provient de chez Action, mais ça fait très longtemps que j'ai ça. Au niveau des petites perles, ici, j'avais pas de grosses, grosses perles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris deux petites perles qui proviennent donc de chez Action. Il y avait des petits pots avec différentes petites perles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux petites perles que j'ai collées entre elles et je les ai collées avec le pistolet à colle. Donc voilà, donc là on a jusqu'à 23 boîtes et la dernière se situe hop, ici. Voilà, donc le dos est pas parfait, mais on s'en fiche un petit peu, c'est vraiment pour le devant. Donc voilà pour cette petite présentation de ce calendrier de l'Avent. Donc moi ce que je vais y glisser, donc c'est pareil, c'est ce que ma maman voulait. Donc des petits chocolats Kinder, donc des Kinder Bruno. Donc ça c'est pareil, ça provient de chez Action. Et elle adore donc tout ce qui est truffes. Donc du coup, je lui ai pris donc des petites truffes comme ceci, que je vais pouvoir glisser donc dans les petites boîtes. Voilà, c'est des toutes petites boîtes comme ceci. Donc au niveau des dimensions, je pourrais éventuellement vous les donner, il n'y a pas de souci. On va faire comme ça va être plus simple. Donc ça fait à peu près 5,5, 6 dans ces eaux-là. Et ça fait à peu près 4,3. Voilà. Du coup, voilà pour les petites boîtes. Donc là, j'ai un 8 qui se balade. Et j'ai trouvé. C'est bon. Il est ici. Il va ici. Donc je le recollerai parce que il s'est décollé. Donc voilà, au niveau des petits yeux, ce sont tout simplement des petits yeux qui se baladent, qui me restaient. Et au niveau du petit nez, c'est pareil, hein, c'est une petite découpe que j'ai pliée en fonction du tuto de Scrap Gogouette. Voilà, donc j'espère que cette vidéo présentation vous aura plu. Et puis bah, moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!